Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action, Maman, comme vous l'avez vu dans le titre. maman. Et il y a Mamour qui est là, c'est-à-dire Margot, qui m'a dit: ouais, on fait une vidéo, on fait une vidéo. Donc on fait une vidéo toutes les deux. Donc, on a été à action. À la base, c'était pour Papy Christian, parce que c'est son anniversaire. Il pleure. Donc du coup, on lui a fait des petits cadeaux. Donc j'ai déjà acheté une boîte de chocolat. Et je sais que Papy Christian, il aime bien se moucher dans des mouchoirs en tissu. Voilà, à l'ancienne. Hein. Mon père, c'était pareil. Et Christian, bah, il aime bien se moucher dans des tissus. Donc ça, c'est un petit cadeau en plus. Voilà, des petits cadeaux qu'il va avoir à part. Je me suis dit, ça compléterait un petit peu les petits cadeaux. Donc là, ils étaient pas chers. Ils étaient à 1,39 € ou 49, je crois, Maman, les quatre mouchoirs. Et c'est du coton en plus. Donc c'est ce qui est bien. Et ils font 40 centimes. Oui, il y a Margot avec Mini. A-t-il lui fait un câlin? Et ils font 40 cm sur 40 cm. Donc du coup, j'en ai pris deux. Il y avait deux lots différents. Je me suis dit, allez hop, comme ça, il pourra. Oui, tu veux que les regarder? T'abîmes pas les boîtes, hein, c'est pour Papy Christian. Attention, attention. Parce qu'on va lui emballer après, on y va ce soir. Il va tout à l'heure avec papa. Donc, pour moi, je me suis pris ça. Alors, c'est pas pour sortir avec, c'est pour traîner à la maison. Avec, voilà, parce que je me vois pas sortir avec ça. Ça fait plutôt, je me suis dit pour traîner, enfin traîner à la maison, rester à la maison au chaud, même aller dans le jardin avec. J'ai pris ça parce que c'est un grand ensemble comme ça noir et il y a la petite capuche aussi avec. Donc je me suis dit avec mon petit legging en mode tranquille ou à la maison. Donc c'est du 36-38, voilà. Il était à 9,90 €. Donc du coup je l'ai pris, ça fait un genre de velours, je sais pas, je vais peut-être le montrer. Je vais peut-être le montrer comme ça. Je me dis c'est vrai que pour être bien au chaud à la maison, alors je pense pas qu'il soit épais, mais au moins la matière elle est bien. Alors il y a toujours un petit truc à l'intérieur comme ça pour se modifier. Je peux peut-être le réutiliser, tiens. Et ça fait un grand truc comme ça. Voilà. Donc, je me suis dit, pour rester à la maison au chaud, devant la cheminée, avec un petit legging, un petit café, un petit cappuccino, ça ferait l'affaire. Donc, voilà. Ensuite, j'ai vu des petits gilets comme ça, en laine. Donc, moi, tricoter un gilet, c'est pas mon délire. Donc, enfin, je me vois pas, je trouve que c'est trop long. Moi, j'aime bien les choses qui vont vite. Donc, un petit bonnet, des petites moufles. Oui, Margot. Là, pareil, j'ai pris taille S, c'est du 36-38. Et je crois qu'il était à peu près pareil dans le. Ah non, il était dans le rayon promotion, il était à 6,90 €. Donc, du coup, je me le suis pris aussi. Je me suis dit là, bon, là, je vais pouvoir sortir avec. Hein. Ça fait un petit gilet comme ça, tranquillou. Et puis, il y a des petites poches aussi sur les côtés. Donc, ça, c'est bien pour mettre nos petits mouchoirs, etc. quand on va se balader. Donc, voilà, les manches ne sont pas trop longues. C'est parfait. Je pense qu'elle s'arrête là, à peu près. Donc, je me suis dit, pour mettre à la maison, c'est nickel. Même pour sortir, je trouve qu'il était beau. Et ça fait un petit peu tressé sur les côtés. Voilà. Donc, ça, je pense pas que ça soit du. La matière, ça doit être du polyester. Mais je trouve qu'il est bien. Je pense pas qu'il soit trop grand. Non, vous voyez, il m'arrive juste pile poil. Je vais peut-être pas vous faire un défilé. Hein. Mais au moins, vous avez vu. Donc, du coup, je me suis pris ça et ça pour moi. Voilà. Donc, j'avais trouvé dans les. Oui, on va les retirer ce soir. Papy regardera et puis tu pourras lui en prendre un. Tu en piques un, papy. J'ai retrouvé l'encre qui me manquait de 81 à 84. Donc, je me suis dit, allez hop, je prends. C'était dans les tons roses qui me manquaient. Et du coup, eh ben, j'ai la petite collection des nouvelles couleurs qui sont sorties. Ça, je pense que c'est du vu et revu. Mais voilà. Ensuite, je me suis pris ça. Donc, ça, c'est pour faire sur des bougies. Voilà. Pour faire tous des petits décors sur des bougies. Donc, j'ai trouvé que trois lots différents. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. Mais je me suis dit, déjà là, c'est pas mal avec tout ce qu'il y a. Je vois qu'il y a des couleurs qui reviennent. Ah non, le gris, il est peut-être plus foncé.
Le gris, je sais pas. Peut-être que le gris revient dans les lots différents. Le blanc aussi, le doré. Enfin bref, mais ça, c'est des choses qui servent toujours. Donc pour faire des petits décors sur des bougies, je pense que c'est pas mal. Bon, on voit bien les couleurs ici. Voilà. Donc ça, c'était 1 €. 1,39 €, 1,29 €, 1,19 €. Enfin voilà, moins 1,50 €. Ça, c'est sûr. Donc j'ai pris dans ces couleurs-là. J'ai pris ceux-là avec le noir. Et j'ai pris ceux-là, le rouge, le vert, tout ça. Je me suis dit, ça pour Noël, ça peut être tip-top. Voilà. Donc du coup, je les ai pris. C'est des nouveautés qui sont pas mal. Et puis je pense que ça marche bien. Donc ça peut être original de décorer ces petites bougies. Oh, elle a déjà ouvert! Non! Non! Non, 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 non! Eh ben si, 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 Margot a déjà ouvert l'emballage. C'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Bah, bah si, c'est possible. Donc, on va aller. Oui, je vais les reprendre. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, dans le rayon, toujours scrap, j'ai trouvé ça dans les tons comme ça, rose. Moi, je suis dans le rose en ce moment. Dans le blanc nacré. Peut-être pas pour le doré pailleté, mais ça, je me suis dit, c'est pas grave, Margot, elle s'en servira. Donc, c'est pour faire des petites drops. À mon avis, ça marche pas comme toutes les anciennes qu'on a déjà eues. Je ferai des petits tests pour voir. Pas peut-être en vidéo, mais je ferai en. Voilà. Donc, tiens, regarde. On regarde les produits. Donc, c'est pour faire des petites drops comme ça. Mais je me suis dit, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Eh ben, pour des petits décors, m'en servir comme peinture tout simplement, ou ici, voilà, pour faire des petits embellissements, par exemple, voilà, voilà, hein, voilà, voilà. Ensuite, j'ai repris ça parce que ça, c'est mes incontournables, j'adore. Voilà, je fais beaucoup de petites étoiles avec, et comme on me redemande à chaque fois, et eh ben, je me dis, au moins, j'ai de l'avance, je prends mes petits bâtons de glace. Voilà. Et ça, c'est 59 centimes dans le rayon enfant. Donc, il n'y avait pas des petites pinces. J'ai regardé parce qu'on m'a demandé aussi pour faire les rocking chairs, pour faire les petites balancelles que je vous avais fait en tuto. Il n'y a pas de. Pour l'instant, ils n'en ont pas remis dans mon action. Après, ça dépend des actions. Mais je sais qu'ils en ressortent régulièrement dans le courant de l'année. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris ça. Je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Je me demande si c'est pas Tagada 83 Créa qui l'a présenté ou pas tout. Recycle les fabriques. C'est une petite, un photophore en fleur de sel. Donc, du coup, je l'ai pris. C'est pareil que c'est reposant, c'est relaxant. Et puis, que ça fait une super couleur quand c'est éclairé. Donc là, j'en ai pris une qui tirait vraiment bien sur le orange parce que toutes les autres, ils étaient un petit peu trop blanches à mon goût. Donc, je voulais vraiment prendre dans les couleurs saumonées. Comme ça. Donc, c'est assez lourd, hein, c'est de la pierre. Je ne sais pas si c'est de la vraie fleur de sel, mais en tout cas, elles sont super jolies. Roche de sel, c'est marqué. Et ça, je sais que dans les magasins de décoration, c'est super cher. Et là, c'était 1,19 €, 1,29 €. Donc, j'en ai pris une. J'ai failli en prendre deux, puis je me suis dit non, une. Allez, une. Ensuite, j'ai pris ça. Hop, dans différentes couleurs. Donc j'en ai pris deux dans les tons gris, hein, argenté, voilà. Parce que ça aussi, ça sert beaucoup quand on fait des décorations de Noël. Genre comme, je sais pas si vous allez voir là en haut, il y a la petite montgolfière qu'on m'a fait version Noël. Je l'ai pas mis encore en bas parce que comme les décorations ne sont pas encore sorties, eh ben, je me suis dit ça serait bien de faire des petites montgolfières. Du coup, avec ça, et du coup, j'en ai pris deux en gris, j'en ai pris deux en rose très très clair. Voilà. Donc ça a fait un rose, mais vous voyez, il tire sur le gris. Donc c'est plutôt pas mal. Oh, je me suis peut-être trompée au niveau des couleurs. Non, c'est ça. Et j'en ai pris une seule en rouge. Je me suis dit, si j'ai envie d'en faire une vraiment sur le thème de Noël, je prends. Ça, c'est plus si j'ai envie de faire un cadeau pour une naissance. Et celle-là aussi. Celle-là, ça sera vraiment pour Noël, Noël. Voilà. Et pour terminer, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. Je me suis vraiment limitée au niveau des achats. Des achats actions. Parce que je pense que j'y suis déjà allée
il y a 10 jours. J'y suis déjà y allée il y a 15 jours. Donc après, ça fait un petit peu trop, trop, trop. Mais à la base, j'étais quand même partie pour les boîtes de mouchoirs. Puis vous voyez avec tout ce que je ressors, enfin, il y a plus du textile qu'autre chose. Et là, du coup, je me suis pris des petits gants. Alors, ils font plus homme, hein, parce que là, il y a une étiquette dessus. Je peux peut-être l'enlever. Ah oui, je peux l'enlever. Parce que bon, les étiquettes sur le devant des gants, ce n'est pas très féminin. Mais je me suis dit, au moins pour me protéger bien du froid, en plus, ils sont épais, puis ils sont doublés. Vous voyez, ils sont doublés en petit polaire. Donc, je vais regarder, parce que j'ai pris taille unique. Ah non, j'ai pris du S et du M. Je vais voir. Ouais, bah déjà, pour passer les doigts, vu qu'il y a une doublure à l'intérieur, c'est un petit peu galère. Ah ouais, ils sont bien molletonnés. Ouais, ils sont nickel. Vous voyez, ça fait des grosses mains. Mais au moins, j'aurais bien chaud. Parce que c'est vrai que quand on va se promener avec Margot à la ferme, hein, juste là-bas en haut, qu'on va voir les vaches, les veaux, les oies, les poules, le coq, les vaches, et ben du coup, moi, j'aurais bien chaud à mes mains. Parce que c'est vrai que quand on est en plein sur le haut de la plaine, eh ben, ça souffle, il y a du vent, on est en plein en courant d'air, en fait. Donc là, je me dis, avec mes deux... Oui, bah regardez. Sur celle-là, il n'y a pas la petite étiquette. Donc en fait, ici, c'est juste pour nous dire la petite marque. Avec un petit ciseau, je peux avoir les petites, la petite ficelle et enlever l'étiquette. Parce que ça ne fait pas très très joli. Après, on peut les customiser nous-mêmes, hein, si on veut. Donc voilà. Ah ben mon ticket de caisse, il était là. Il était là. Ah ben, je vais vous dire du coup combien j'ai payé ça pour les bougies. 1,30€ stylo à cire, c'est ça? 139. 139. Oui, bien sûr, mais elle a mis 139 euros, ça fait un petit peu cher le stylo. 1,39€. Du coup, je vais regarder comment. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était un capuchon au-dessus. Maintenant, c'est bien. C'est bien. C'est très très bien. Donc c'est un petit stylet comme ça, au moins pour faire les petits décors, c'est nickel. Après, il faut voir comment. Ah oui, ça va, c'est assez liquide. J'ai vu aussi dans un autre que j'ai vu à travers l'emballage, parce que j'ai pas ouvert les trucs. Hein. Celui-ci, il est doré, on est d'accord. Et j'ai vu dans un autre, voilà, dans celui-là, dans ce lot-là, vous voyez, la cire, il y a du liquide dedans. Vous voyez? Donc, j'espère que ça va en mélangeant, ou à moins que c'est déjà foutu. Mais je trouvais que, bah, voilà. Vous voyez, il y a de l'eau dedans. Et voilà, puis là, il fuit. J'en ai mis foutu partout. Bah oui, Mélanie, bah oui, bah oui, bah oui. Tu fais n'importe quoi. Mais j'ai vu que ça fuyait. Ah, c'est normal. C'est normal. C'est parce que le capuchon, il ne tient pas bien. Vous voyez? Le capuchon, il ne tient pas bien. C'est pour ça que il s'est ouvert. Tout simplement. Donc, il faudra bien voir si... ça fait pas du caca, mais je pense que celui-ci il est foutu. Donc regardez bien dans le rayon de ne pas vous faire avoir avec la cire. Oui, je pense que celui-ci il est foutu. Parce que le capuchon, vous voyez, il tient pas bien. Il tenait pas bien. Donc je vais essayer de bien le malaxer, mais vous voyez, comparé à celui-ci, ben, là il fait liquide et là il fait bien dur. Voilà. Il n'y a que dans ce lot-là que j'ai vu qu'il faisait ça. Et j'ai dit, bah, c'est dommage parce que bah, c'est la même couleur que les autres de toute façon. Oui. Donc c'est pas si grave que ça, mais vous voyez, comparé à celui-là, je crois que ça va être poubelle. Donc regardez bien à l'intérieur de vos emballages pour pas que vous soyez déçus une fois que vous ouvrez vos trucs. Là, c'était dans le lot du coup, numéro. Je sais plus. C'était dans celui-là, dans ce lot-là, avec le noir. Faites attention au... Parce que j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas que dans le mien. J'ai regardé tous les lots avec le noir et j'ai vu que ce stylo-là, il était très liquide. Donc, eh ben, regardez bien, quoi. Pour pas vous faire avoir. Sinon, si vous voulez vraiment un doré, ben, il faudra prendre dans un autre lot pour que ça soit beaucoup plus solide. Voilà. Parce que là, je pense qu'il est foutu, quoi. Il est foutu. Ah oh, oui, il est foutu. C'est cassé. Oui, non, j'aurais beau le secouer dans tous les sens.
il va parvenir à l'état liquide. Ça fait plein de petits grumeaux. Je vais voir ce que je peux en faire, si je peux. Ouais, non, regardez, ça fait plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc, ouais, non, il est foutu. Mais bon, c'est pas grave. Il est foutu. Il est cassé. Il est cassé. A pu. C'est ballot. Donc voilà, eh ben, je vais ranger tout ça dans mon atelier. Hein, forcément, on ne va pas le laisser dans le sac. Je vais ranger avec mes décos de Noël. Et puis, ben, je suis contente parce que du coup, j'ai trouvé la petite encre qui me manquait. Et puis là, ben, je vais me mettre mon petit gilet que j'ai acheté, tant qu'à faire. Comme ça, j'aurai bien chaud. Hein, Margot? C'est chaud. Je vais voir s'il me va déjà de une. Oh ouais. Oh, c'est nickel. Regardez-moi ça. Oh, c'est parfait. Je vais faire le défilé. Non, c'est parfait. Vous voyez, pas trop long. Pas trop qu'on voit les fesses. Il descend parfaitement bien. Oh non, c'est bon. C'est nickel. Hop, tenir chaud. Là. Donc, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de bouton. C'est juste pour mettre comme ça, pour vraiment être au chaud à l'intérieur de la maison. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être pas un haul action, hein. Il ne faut pas abuser non plus. Un La fille qui dit ça, baiser. il ne faut pas abuser, hein. Et Margot, qu'est-ce qu'elle a pris chez Action? Qu'est-ce que tu as pris, toi? Tiens. Rien. Elle m'a dit, je veux rien. Je me suis dit, il va pleuvoir, hein. Non. Tiens. Elle m'a dit, je veux rien. On va à la caisse. T'avais pas envie de traîner, hein. T'avais pas envie de traîner. Non, non, elle veut aller chez Papy. Bah oui, elle veut aller chez Papy, c'est son anniversaire. Elle veut aller chanter Joyeux anniversaire. Ah ouais? Il va oublier. Chez Papy. C'est parce que vous la voyez pas. Joyeux anniversaire, papy. Un chant. Oui. Le Tu veux pas chanter? dîner. Joyeux anniversaire. Bon, bref, allez, j'arrête mon blabla. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis bah, très très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci de regarder les tutos. Merci Allô? pour tous vos commentaires super positifs. Je vois que ça vous plaît et que ben voilà, je me suis donné à fond, je pense, pour les tutos, pour vous faire plaisir. Et je vois que c'est donnant, donnant. J'ai plein de messages super gentils de votre part et je vous en remercie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. À bientôt.